Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec la petite Myriam. Yo. Donc Myriam hier elle a eu une idée, elle m'a donné l'idée, j'ai kiffé, vas-y tu peux la dire. En fait on doit prendre pour 5 euros le ftol de ce soir. Pas le droit de dépasser les 5 euros pour le ftol de ce soir. Regardez derrière, on a choisi Lidl et on va aller à la boulangerie. Let's go. Vas-y, prends le sac. Il va falloir que j'achète beaucoup d'ingrédients, Myriam, pour 5 euros parce que moi, il faut que je mange beaucoup. Il y a un double sac dedans. Un double sac, vas-y, c'est carré. 5 euros, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, je sais. Et il va falloir que j'achète beaucoup de choses parce que moi, je suis un gros. Vous savez, je suis un gros. Il faut acheter que des trucs à 1 euro. Faut acheter que des trucs à 80 centimes, 1 euro, tout ça. Et garder de l'espace pour la boulangerie. Ouais. Bon, on arrive directement. Moi, je pense que je vais commencer par une petite salade en vrai. Hein. Bah, moi, je gaspille pas d'argent pour l'instant. Elle avait pas les légumes. Je vais me prendre la moitié d'un concombre. Sachant que ça fait 89 centimes, ça fera 40 centimes. Prends du Nutella, le gros pot. Non, mais c'est celui-là qui est contaminé, je te dis. Ah, je sais pas si c'est contaminé. La famille, je vais mettre un gros billet sur une mangue, mais c'est tellement bon. Moi, je prends ça, je choisis une grosse. C'est 1,89€, ça me fait déjà 2 euros. Ok. Non, mais prends-moi une grosse, moi, je veux une grosse. Ah. Et quand t'en prends, tu prends une mûre, genre qui est grave dure, à gauche. Là. Ouais, celle-là. Hey, je voulais juste te poser Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est dure? Ouais, on prend ça. Après, je t'ai emmené pour toi. Regarde, t'as des pâtisseries à 50 centimes. Ah, mais je vais pas gaspiller d'argent. Mais tu vas acheter à la boulangerie. Ok. Et regardez, il y a des pizzas. Je sais pas si je prends une pizza, les gars. Pizza chèvre. Tu veux prendre ? Pizza chèvre, on a quoi d'autre ? Il reste plus rien, les gens. Ils ont tout pris. Ça se voit, c'est le ramadan. Des cookies à 59 centimes. Oh, j'achète pas. Je suis en train de regarder. Il reste que ça, les gars. Regardez. Tout a été pris, du pain. Il y a tout qui a été pris. En vrai, non, j'achète pas pour l'instant. Ah, peut-être elle va prendre son premier truc. On arrive au rayon des chips, c'est ultra pas cher les gars, 1 euro les chips. En vrai les chips, toi tu peux peut-être aimer. Hein. Les Pringles, 1,89€. J'ai failli tomber. Elle a failli tomber, il y a beaucoup de chips. Je sais pas si il y a pas les chips. Il n'y a pas tes chips préférés, du coup on prend rien. Vas-y, ouais. Mais moi j'aime pas, je suis pas trop chips. Bon les gars, sinon il y a les sandwichs, regardez combien c'est les prix. 2 euros, 2 euros, ça va, 1 euro. 1,19€. Moi je vais prendre des pâtes. Tu veux des pâtes toi? Ouais, là-bas des pâtes genre... Ok, vas-y, mais moi je prends rien ici pour l'instant. Là, les gars, j'ai trouvé un vrai elle truc. A trouvé un vrai truc. Hey, du haut de son âge, elle est forte, 90 centimes. Il vous restera 4 euros. Il lui reste 4 euros, regardez. Tout ça pour 90 centimes. Incroyable. Là, les gars, moi aussi, j'ai trouvé un truc de ouf. Regardez. Des pâtes. Pâtes 68 centimes. Et regarde, il y a même ceux-là. Non, non, c'est trop cher. Moi, je vais prendre des pâtes. J'ai peur de dépenser de l'argent pour rien. C'est une crevarde. Mais prends, si tu auras soif ce soir. Tu prends alors les mini capricènes. Ça va, c'est 1 euro, frère. Attends. T'es en bénéf, tiens, t'es en bénéf, t'as la 1 euro, il me reste. Ouais, t'es en bénéf, t'inquiète. Donc je laisse 1 euro pour pour la pâtisserie. Ouais. Moi je prendrais de l'eau, donc c'est gratuit, donc je m'en fiche. Ah, on était obligé de venir ici, les gars. Lidl, ça fait longtemps. Mais bon, c'est pas pour la vidéo là. Yacine nous a donné une mission, Yacine. Tu veux des têtes brûlées, il te restera plus d'argent. Il te restera vraiment plus d'argent si tu prends ça. On a sélectionné ça, regardez. Des Twix mini avec ça. Oui, Yacine. Moi j'ai envie de prendre des Ça compte pas, hein. C'est pas pour nous. Hein. Oui, je sais, mais j'ai envie de prendre des têtes brûlées. Bah, prends, mais après à la boulangerie je t'achète rien du tout. Voilà, on a pris quelques trucs. On a terminé et moi il me reste 3 euros. Ouais, on va aller à la boulangerie pour finir là. Myriam, ouais, Myriam elle est hyper bien, il lui reste quasiment 3 euros. Là, il nous faut une bonne grosse pâtisserie là qui va bien nous caler. Moi je vais prendre 3 pâtisseries. 3 pâtisseries à 3 euros, t'es malade. On y arrive enfin. On va regarder les gâteaux et les prix. Toi t'as 3 euros, c'est trop bien. Moins 2. 3 euros moins 2, comment ça? 1 euro. Mais non, il te reste 2,80€, je crois. Tu peux prendre tout, toi, t'es bien. Moi, bon, je sais pas, faut que je prenne un truc qui me calme. Moi, je prends du café. Tu vas prendre quoi? Myriam, alors, Myriam, rejette. Je sais pas. Au café. Et tu pourras me donner 50 centimes, s'il te plaît? Que si tu prends un truc. Mais vas-y. Ok. En vrai, on aurait pu prendre ça aussi, regarde, beignet 70 centimes et t'en prends plein, genre. Ouais, non, il y avait des vrais trucs à prendre. Il me reste 1 centime, qu'est-ce que je peux prendre avec 1 centime? 1 centime ouais. Ah, une claque avec 1 centime. Et on a le pactole avec Myriam. Avec je fais des efforts, hein. J'ai voulu prendre plein de gâteaux parce que moi tu connais, je suis fou, j'ai pris que un gâteau et Myriam que un gâteau. Ouais, donc là on n'a plus d'argent, on va aller Non, maintenant. Il me reste 1 centime. Mais tu vas faire quoi avec 1 centime? Et 1 centime, tu peux rien acheter. On va aller cuisiner. Juste avant, j'aimerais bien aller au coiffeur, mais je pense qu'il va être trop tard. Hein. Ça y est, on sort du coiffeur, je suis bien là. Là, je suis bien. Ouais. Attends. En fait, il avait oublié de me rendre 5 euros. Quand tu dois de l'argent à quelqu'un, t'es obligé de donner. Sinon, t'es pas bien. Bon là, je vous disais, pour l'aide, je suis bien. Allez, vite chez le coiffeur avant que tout le monde aille là. Je vais rentrer à la maison là et go. A few moments later. Myriam va faire son plat, let's go, vas-y. Attends, faut mettre de l'huile d'olive. Ah oui.
tu mets un filet d'huile d'olive. Moi, dans ta je suis en train de faire mes pâtes, la famille. Bon, c'est simple, hein, des pâtes de l'eau. Un filet d'huile d'olive, c'est comment ça? Un filet d'huile d'olive, c'est vraiment un peu, genre pour pas que ça colle. Un peu. Vas-y. Et tu le fais couler sur toute la poêle. C'est bon, c'est bon. Maintenant, fais-le couler. Tu le fais couler sur toute la poêle. C'est juste pour pas que tes gnocchis, ils collent. Voilà, t'en mets partout. Et en vrai, que le sopalin, je te donne une petite technique. Tu peux faire comme ça. Tu vois? Comme ça, là, il y en a bien partout. Voilà, c'est bon, c'est top. Arrête, tu as touré. Maintenant, tu mets tous tes gnocchis. Tu mets vraiment tout. Tout? Ouais, tous tes gnocchis. 90 centimes, tout ça, c'est incroyable. Et là, tu mets le feu. Celui-là? Non, le deuxième. Là? Ouais. Vas-y, mets le feu. Est-ce qu'elle va réussir? C'est de quel côté? C'est comme ça, regarde. Voilà. Ah, carotte, j'ai pas appuyé. Et là, tu mélanges bien tout ça. Ça se passe super bien, Myriam, à le fourneau. Par contre, la famille, vu que ça, on l'avait acheté pour faire des tacos, vous vous rappelez, et ça va aller à la poubelle si on l'utilise pas. Mais Myriam et moi, on va l'utiliser pour mettre dans mes pâtes et dans ces gnocchis, au lieu que ça aille à la poubelle. Je pense que personne ne va dire quoi que ce soit, vu que sinon, on veut pas de gaspillage. Vas-y, tu peux en mettre un petit peu. Je le pose ça. Tu poses ça, ouais, tu mets la spatule. Pour l'instant, ça va faire pas de dingue. Je dis stop. Vas-y. Tu mets bien au milieu. Hop, tu presses. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, je l'aide un petit peu. Non, je vais le faire tout seul. On mélange. Et là, même à abandonner. Du coup, on fait tout seul. Hop, on sort les pâtes. La dernière fois, j'en avais oublié une. Là, faut que j'en oublie zéro. Oh là, il y en a zéro. Yassine arrive dans la vidéo, let's go. Donc on est parti. On est en train de faire un photo, je t'expliquerai après. On t'a ramené ça. Alors t'es content mec? Incroyable. Vas-y, fais montrer, tu vas mettre quoi dans le sac d'un abonné? Déjà pour commencer, un Twix. Un Twix. Un paquet de bonbons. Attends, on va voir les paquets de bonbons, regarde. Ici t'as les... En vrai je mets deux paquets de bonbons, non? T'as les crocodiles, les bananes, t'as plein de trucs. Ok, ok, attends, déjà on va faire un truc. On va mettre toutes les bananes d'un côté. Donc ça c'est pour un abonné, je vais les... Ils sont où Myriam? Ils sont dans la vitrine là-bas là. Où? Dans le truc au fond. Dans le truc au fond, il y a un truc pour attacher le paquet. Dans le truc au fond, je n'arrive même pas à marquer. Ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et un Twix, un Twix. Un Twix. Du coup t'as trouvé? Il n'y en avait pas. Ok, bah attache à faire un œuf, fais un œuf sinon. Comment on peut faire un œuf? Viens Myriam, on va se mettre à table. Ouais, j'ai un truc. Rien, tu m'as fait rigoler. Donc là, je dois juger vos assiettes pour 5 euros. Ouais. Quelle assiette est la meilleure pour moi? Donc ça, c'est l'assiette de Younes, ça, c'est l'assiette de Myriam, c'est ça? Ouais. Alors déjà, l'assiette de Myriam, elle a pris des gnocchis. La seule la question que je me pose, c'est est-ce que c'est des gnocchis fourrés ou c'est des gnocchis normales? On va voir. Tu devineras jamais le prix de toute l'assiette de gnocchis. Mais ils sont même pas cuits, tes gnocchis. Elle aime bien, elle a dit... Il faut les chauffer. Mais c'est pas moi qui les ai pris, c'est Younes, il me les a donnés. Va les mettre au micro-ondes, on a le temps, vas-y, va les mettre au micro-ondes. Ok, c'est des gnocchis non fourrés. Ok. Devine le prix. Des gnocchis? Ouais. 3 euros? 90 centimes. Quoi? Ouais. Ok, 90 centimes. Là, elle a une boisson. Ok, la petite boisson. Et pâtisserie, tu peux ouvrir les pâtisseries. Ça, c'est à Myriam? On en a une chacun. Ouais. Ok. Moi, devine, j'ai pris laquelle? Toi, t'as pris ça, c'est sûr. Ouais. Regardez, attends, on voit pas. Donc, Myriam, elle a pris une religieuse. Wow. Ça sent le café. Pourquoi t'as pris au café? Pourquoi pas au chocolat? Elle aime bien. Ok, bah elle a pris au café. Et lui, Younes, on va juger l'assiette de Younes. Donc Younes... Mais non, c'est bon, mets pas tes doigts dessus s'il te plaît. Arrête, j'aurais plus envie de manger. Ok. C'est un millefeuille tunisien. On est algérien, pas tunisien. Et alors? Donc Younes, là, son assiette, c'est quoi? C'est des pâtes, des champignons et des lardons. Ça coûte combien ça? Je sais pas. Comment ça tu sais? Ça coûte pas 5 euros ça. Je sais pas. C'est plutôt t'as un menteur toi, ça coûte pas. Donc ça coûte 5 euros ça? Plus. Et il y avait aussi une mangue. Une mangue? Ça aussi? Et quelques... Les légumes, arrête, c'est pas beaucoup. Bon, les légumes, je te les accorde. Une date, une mangue et ça, plus une pâtisserie. J'en ai au moins pour 10 euros. J'ai pas de boisson. Mais dis pas que t'as pas de boisson, tu vas prendre de l'eau, on sait tous trop de toi et moi. Mais l'eau c'est gratuit. C'est l'heure de tester la famille, le petit repas, les tomates cerises, les concombres. Je suis obligé de commencer par une salade, désolé. Est-ce que ça a été dur pour toi le ramadan, une sur une suite de 1 à 10? Franchement, cette année, ça a été dur à 2 sur 10. C'était pas trop dur, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Toi, c'était dur cette année? Non, ça va, elle. On va voir si je suis toujours aussi chaud. Waouh. Ah, bravo.
Laisse tomber. Alors, goûte-moi. Tu vois, tes gnocchis, elles sont cuites. Gnocchi à 90 centimes. Tu sais que c'était un de mes repas préférés, ça. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a des lardons, il y a des champignons. Il restait quelques trucs dans le frigo pour pas jeter. C'est pour pas jeter. Voilà, c'est de la triche. Ouais. Les pâtes, qu'est-ce que c'est sous-côté. Toujours, on pense aux grecs, aux tacos et tout, mais les pâtes, ça coûte pas cher. Et c'est bon avec une bonne sauce. Vas-y, goûte tes gnocchis à 90 centimes. Faut voir s'ils sont bonnes. Je peux en goûter une. C'est n'importe quoi. Elle tient le gnocchi avec sa main. Elle tient la gnocchi avec sa main. Et ensuite, elle plante la fourchette. Mais mange-la direct. C'est incroyable. Vous 90 centimes. Non. Non. Mais je te laissais goûter. Mais alors? Cette règle, elle n'existait pas. C'est parce que moi, elle me laisse goûter que moi, je dois la laisser. Je rigole, tiens. 90 centimes, impeccable. Tu l'as donné une pâte? Ouais. Waouh. Mais après, j'en aurais plus. Waouh. Alors? Incroyable. Yes. On va passer direct au dessert. Juste ton goût, hein, comme vous savez. Après, on mangera tranquille après. Tiens. Hop. Ça va, pour 5 euros, on s'en est bien sorti. L'année prochaine, Charles, on fera un stall à genre 100 balles, un truc comme ça pourrait être bien. Tout ça pour toi? Le millefeuille tunisien. Les Tunisiens, j'avais droit à une seule pâtisserie aujourd'hui. Hein. J'ai tout misé sur vous. Bismillah. Dégueulasse. Merci beaucoup la Tunisie, merci. C'est très 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 bon. On a une sorte de crème au début, enfin au début c'est et pas au ouf, milieu. Hein. C'est non, pas non, ouf. C'est bon. Wallah, c'est bon. C'est okay. Super bon avec du glaçage café. Mais pourquoi Tunisie? Vous avez inventé ça vous en Tunisie? Le café, les Arabes, c'est le café les Arabes. Peut-être. Voilà, allez, c'est pour le dessert. Et toi alors? C'est trop bon, sauf que ça je déteste. C'est blanc. T'es sûr que t'es ma soeur toi? Elle vient de dire qu'elle aime pas la crème. Si tu serais pas malade, je l'aurais défoncé. Le meilleur fruit du monde. Vraiment, c'est trop trop bon. J'ai plus de place, là, je peux plus. Mais je me force un peu à manger, parce que en ce moment, je mange un peu moins. À la musculation, la sinon, elle est en train de me dépasser, et c'est pas bon. Faut que je continue à manger, là. On va prendre de la mangue. Vous prenez une petite mangue comme ça, là. Là, comment c'est beau. Tiens. Tu la découpes. Ouais, j'ai du jus, mais pas toi. Mais moi, c'est comme, c'est encore mieux que du jus. J'espère que vous avez kiffé le délire. En tout cas, nous, on a super bien mangé pour 5 euros. Enfin, pour un peu plus de 5 euros, moi et elle, 5 euros. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour la suite. Ciao.